J'ai reçu plein de messages me posant énormément de questions sur la diversification. Et en fait, alors je vais vous parler de moi, comment je fais, enfin comment j'ai fait avec mes enfants. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent quand commencer. En fait, j'ai pas envie de. Moi, je l'ai fait à partir du moment où mes enfants étaient prêts. Voilà, je ne me suis pas dit 3 mois, 5 mois, 6 mois. Voilà, je me suis dit que je commencerai les petits pots quand bébé sera prêt. Et là, je sentais vraiment Alba prête depuis une petite semaine. Elle m'a entendu vous parler, elle s'est réveillée. Xuan, coucou, mon beauté. Récupérer le bébé. Donc je disais oui que voilà comment j'ai procédé pour savoir quand commencer la diversification. Ensuite, j'avais fait entièrement les petits pots moi-même pour Amy. Pour les jumeaux, c'est ma belle-maman qui leur a qui, oh, boum, boum, qui leur a qui l'a préparé. Et là, je voulais comme je prends quand même de mieux en mieux les choses en main niveau cuisine. Voilà, je voulais préparer les petits pots d'Alba moi-même. Je vous le disais, je pense que j'en achèterai quelques-uns, histoire d'en avoir quand même à la maison. Si un jour il y a un coup de bourre ou quoi, au moins je sais que voilà, j'ai des petits pots à la maison et pas de stress. Je préfère prévenir que guérir. La manière dont moi je procède, c'est la suivante. Je vais lui donner, donc aujourd'hui on a mangé les carottes, on va manger des petites carottes sur quelques jours. Et ensuite je prendrai en fait légumes par légumes pour qu'elle se fasse au goût de chaque aliment dans un premier temps individuellement. Après on commencera le sucré et ensuite j'introduirai tout ce qui est mélange et plus viande, poisson, etc. Des robots comme moi, le Magimix, ça va hyper vite, c'est vraiment hyper rapide. Je vais faire en grosse quantité et je pense que je vais congeler. Il faut juste que j'achète de quoi faire. Et je pense même que je vais recycler. En fait, vous savez, j'avais les sachets pour congeler le lait maternel. Je pense que je vais faire ça pour congeler. Et là, j'ai acheté quelques petits pots en verre, histoire de pouvoir conserver. Je ne suis pas très fan du plastique, histoire de pouvoir conserver ce que je lui ai déjà fait. Et j'ai ma belle-sœur qui, elle, donne des pots industriels. Je vais lui demander qu'elle me récupère les petits pots en verre. Comme ça, je les utiliserai pour cette petite demoiselle. Voilà, c'est une belle journée qui se termine. J'ai emmené Mathia et Maë avec Amy faire un petit tour de manège. On est allé voir papa jouer au foot. Et maintenant, bah, douche, manger, dodo. Et demain, il y a école. On y va pour la première semaine complète d'école. D'école et d'école toute seule. Donc j'espère que mon organisation sera assez rodée parce que Nicolas risque de beaucoup travailler. Donc voilà. Hello, hello. Bah, écoutez, je suis très contente de mon organisation de ce matin. Finalement, j'ai pesté pendant 2 mois à me dire je ne sais pas comment je vais faire pour emmener chaque enfant dans son école. Et en fait, ce matin, ça allait comme sur des roulettes. J'ai déposé Alessio à l'arrêt de bus et c'était juste le temps sur le chemin pour déposer Mathia et Maë à la maternelle. En plus, à la maternelle, on peut se garer directement devant l'école. Et pas besoin de sortir Alba de la voiture. Je me dis que pour cet hiver, c'est vraiment cool parce que j'ai encore Nino et Amy qui sont dans la voiture et les jumeaux, je les prends. Et en fait, avec les mesures sanitaires, on rentre même plus dans l'école. Donc voilà. Et une fois que j'ai déposé Mathia et Maë, c'est tout pile l'heure et sur le chemin pour amener Amy et Nino. Donc voilà, je suis contente de ma petite organisation du matin. Je vais aller faire un brin de ménage, un rendez-vous professionnel à 10h.
Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon lundi, un bon début de semaine. Et voilà, on attaque une nouvelle semaine pleine d'énergie.